Hey, Matelot, ici Defroy pour le quatrième épisode de Projet Genesis, saison 2, la série de Let's Build qui prend son temps. Voilà, c'est comme ça que je vais faire maintenant. Je vous le dis du coup directement parce que je pense que j'avais oublié de le mentionner lors des derniers épisodes. On va prendre notre temps pour cette série de Let's Build, c'est-à-dire qu'on va pas se précipiter. Et surtout, on va faire pas mal de tests, en fait. De tests de construction. Ça se trouve, certains épisodes ne serviront strictement à rien parce qu'on n'arrivera à rien. Mais l'idée, ce sera de faire un test. Voilà, de faire des tests, d'essayer plein de choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout simplement. Donc, j'ai rempli en partie des machins de la dernière fois. Donc alors il est où le bloc du milieu? C'est celui-là. Donc F3. Ce bloc-là c'est le... D'accord, donc c'est 18192. Ok. On est bon. Pose 2. Et à partir de là on va faire un flip. Alors, est-ce que je suis rouillé complètement au niveau des flips? Les flips étant une commande World Edit qui permet d'avoir un effet miroir en fait. Où est-ce que je suis encore à peu près dans le coup? Alors, attendez, que je me rappelle. C'est slash flip. Ah, je croyais qu'il allait me donner la... Bon, bref. La direction. Donc, je sais qu'il faut faire en fonction d'une direction. South, donc direction perpendiculaire, on va prendre East. Past. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai oublié, évidemment, de faire un copy. Bah oui, parce qu'évidemment j'ai oublié. 292, donc on est bon. Oulala, et je suis complètement rouillé au niveau du flip, hein, ça c'est violent. Donc... Et si on fait pas cela, ça fait ce que je veux. Voilà, ok. On arrive quand même à faire quelque chose. Ok, on va virer ça. Ok, voilà. Donc j'ai fait quelques petits changements par rapport à la dernière fois. Attendez. Ah, il y a un souci, ça devait se plonger dans le même hauteur à ce niveau-là. Ça va se plonger comme ça. J'ai décalé d'un bloc à chaque fois. Bon, bah je refais ça vite fait du coup. Hop. Ah, pas de soucis, y a pas de soucis. Alors, du coup, dans cet épisode, on va faire deux choses. Du moins, il y a deux choses qui sont prévues. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça dans cet épisode. C'est donc les emplacements de la terrasse en hauteur et l'emplacement au sol. Hein. De place au sol va prendre la tour, c'est-à-dire avec donc du coup l'accueil à l'avant, les parkings et les terrasses à l'arrière, pour avoir vraiment une emprise au sol qui est intéressante. Alors, on va faire l'arrière aussi parce que j'imagine qu'ils sont décalés. Non, l'arrière, ils ne sont pas décalés. C'est déjà ça. Donc, ok. Là, c'est le moment crucial pour déterminer si on va faire... comment dire ? Des bâtiments de plusieurs hauteurs ou pas. Parce que tout simplement, il faut pouvoir déterminer la hauteur de la terrasse. Si on met la terrasse à ce niveau-là ici, par exemple, bah, elle va devoir être à la même hauteur partout. Je vais reprendre mon petit modèle. Voilà. Si la terrasse est à la même hauteur partout, bah du coup, tous les bâtiments doivent avoir la même hauteur. Ou alors, il faut vraiment changer le bâtiment à chaque fois et avoir une courbure différente à chaque fois. Ce qui serait possible, hein, du coup. Mais du coup, faut le décider maintenant. Donc, soit on fait un front comme on avait dit au début. Alors là, du coup, on va changer un peu le modèle parce que ce n'est plus ce qui était prévu. Attendez, on va faire... On va couper tout ça.
pause 2 et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc ça, je vire et je mets des maisons à la place. Enfin, ça sera pas vraiment des maisons, ça sera vraiment des immeubles très petits, avec à peine 2-3 appartements dedans, dans chacun. Parce que j'ai quelques projets en tête qui sont vraiment intéressants. J'ai surtout trouvé sur internet, hein, on va dire ce qui est, des maisons à reproduire extrêmement intéressantes, hein, pour tous ceux qui connaissent le site Pinterest. Vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà la tronche que aura un quartier tel que on va le... Enfin, tel que j'avais envie de le changer, en fait. Voilà, on va faire des modifications à ce niveau-là. Voilà, donc la terrasse, elle va passer carrément au-dessus du canal. Normalement, les yachts qu'on va faire pourront jamais atteindre cette hauteur-là, hein. Sauf les voiliers. Ah oui, alors parce qu'il y a ça aussi. Les bateaux qu'il y a ici, l'idée, c'est de faire aussi des voiliers, plein de voiliers, hein. Et du coup, de toute façon, si c'est au-dessus du pont, de toute façon, c'est mort. À moins qu'on fasse un pont rétractable. Et du coup, si le pont est rétractable et que la terrasse ici ne l'est pas, il y aura une limite à la hauteur pour les bateaux. Sauf que les voiliers, évidemment, ont des mâts qui vont assez haut. Et si les mâts dépassent cette taille-là, ils pourront pas passer. Ça, c'est problématique. Ou alors, on fait des bâtiments plus grands au niveau du milieu et on élève la terrasse ici à ce niveau-là et on fait une terrasse plus haute. Une terrasse commune plus haute. Ce qui ferait bizarre parce que du coup, il y aurait deux bâtiments en plein milieu qui seraient plus hauts et les autres qui seraient tous à la même taille. À la limite, si rien dégradé avec des petits à ce niveau-là et des plus hauts après, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être plus intéressant. Mais j'ai pas envie de casser cette espèce d'effet de front comme ça, où il y a vraiment tous les grands immeubles tous d'un seul coup. Ça m'embêterait de casser ça. Mais en tout cas, voici comment devrait se présenter un quartier tel qu'on l'a redesigné, avec beaucoup plus de maisons, du coup beaucoup plus de petits immeubles, et du coup au milieu tout le gros jardin commun dans lequel il y aura une serre, hein. Vraiment, c'est ça l'idée du vert au milieu du truc ici, c'est vraiment une serre avec un espèce de petit bois privé du coup à l'intérieur du quartier, avec peut-être des potagers ou des potagers plutôt, individuels, un peu partout, dans l'espace commun. Ça peut être intéressant de faire un truc comme ça. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, je pense qu'on va faire un grand front, en fait, avec 6 immeubles, 3 comme ça de chaque côté, avec une terrasse commune. Donc, du coup... Parce que sinon ça va être trop compliqué. Du coup, je pense que la terrasse, elle va se faire à ce niveau là après, au milieu du truc, hein, tout simplement. Donc 1, 2, 3, voilà, on va partir de là. Est-ce que ça donne un effet, enfin est-ce que au vu de loin ça passe? Faut imaginer avec un trou à ce niveau là plus ou moins. Ouais. Alors limite, je vais l'abaisser un peu et je vais augmenter la taille du truc. Donc on va faire 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 blocs. Ouais, alors quoique là je crois que je suis en train de faire une connerie parce que j'ai pas l'intention d'enlever la cage d'ascenseur. Enfin la cage d'ascenseur. Et que c'est le reste du bâtiment qui va être rogné, mais que la cage d'ascenseur elle va rester en place. Donc je suis en train de pas faire du tout le bon truc. Ce qui est pas grave, hein, je peux le refaire, y a pas de souci. Et donc aussi, du coup, j'avais envie de... Dans cet épisode, de partir sur un thème. Et pourquoi pas répondre à des questions ou essayer de développer des thèmes, des sujets de discussion au fur et à mesure des différentes vidéos, pourquoi pas. Après, je verrai dans les commentaires ce que vous en dites.
L'idée que j'avais envie de développer ici, c'était l'inspiration. L'inspiration, du coup, sur Minecraft, comment vous vous faites, les gens, pour prendre de l'inspiration. Et du coup, moi, comment je fais? Eh bien, j'ai trois techniques, en fait. J'ai remarqué ça un peu avant de faire la vidéo. J'ai trois techniques principales qui sont les suivantes. Du coup, je prends des inspirations sur quelque chose qui existe déjà, que ce soit sur Minecraft déjà, sur un serveur par exemple, ou sur Planet Minecraft, ou sur des maps que je télécharge et tout. Donc c'est pour ça à la base en fait que je visite aussi plein de maps sur ma chaîne, c'est parce que de base j'en visitais énormément moi-même par moi-même en fait. Et voilà. Et comment dire, voilà, donc c'est une méthode d'inspiration. Il y a aussi regarder des constructions réelles, tout simplement. J'ai un petit problème en fait pour en revenir à la construction. J'ai pas envie de casser la ligne de la cage d'ascenseur ici, qui fait une belle ligne sur le front du bâtiment. Donc du coup en fait j'ai pas envie de casser cette ligne là visuellement avec la terrasse qui viendrait par devant, comme je l'avais montré dans l'un des... Heureux, mon enregistrement a bugué, donc je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc on était au niveau de la vidéo. C'était pas ça évidemment qu'il fallait que je fasse. C'était l'autre map. Voilà. Alors, je me rassis bien. J'ai testé en fait deux choses hein, dans mon petit fail d'enregistrement. Que j'avais comme j'avais deux bâtiments à disposition, j'ai testé deux trucs. Un avec la cage d'ascenseur donc coupée, donc avec la ligne qui est coupée par la terrasse, et un autre où la cage d'ascenseur est complète, mais du coup j'avais pas mis de terrasse à l'avant au début, et j'avais trouvé que ça faisait moins bien en fait que le premier truc, donc je trouvais ça bizarre, et donc j'ai mis une terrasse qui vient par devant, et du coup maintenant vous voyez comment ça rend. Hein. Je trouve que cet agencement là, avec la terrasse qui vient par devant la cage d'ascenseur, est plus intéressante. Voilà, je verrai vos avis dans les commentaires, mais voilà, je trouve que c'est plus intéressant, et donc du coup, c'est ce que j'ai repris pour le building ici. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je pouvais pas donner vraiment une forme à la terrasse, parce que du coup la forme de la terrasse devra être faite en fonction de l'agencement des bâtiments entre eux, c'est à dire que s'il y a un bâtiment ici plus un autre là, plus un autre là-bas, et qu'ils sont tous reliés par une seule grande terrasse, il faudra que cette grande terrasse là soit uniforme dans sa forme, du coup soit cohérente dans sa forme plutôt, et donc du coup la forme de la terrasse doit être globale, et sur un seul bâtiment je ne peux pas avoir une forme globale intéressante. Donc du coup je vais juste faire des repères en fait, des repères le long du bâtiment, autour du bâtiment en fait. Voilà, c'était ce que j'avais dit grosso modo. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tailler donc du coup les alentours du bâtiment de la terrasse directement maintenant, pour avoir à peu près la largeur que va faire la terrasse finale. Et puis voilà. Hop. On va tailler un peu dedans. Donc du coup aussi, Donc je vais faire passer devant la cage d'ascenseur. Donc voilà, c'est un parti pris. Ça casse la ligne visuelle qu'on avait avec l'ascenseur, du coup, avec la cage d'ascenseur. Mais bon, voilà. J'ai pris ce qui était le plus avantageux. Bon, voilà. C'est comme ça. Alors du coup, maintenant, il va falloir creuser à l'intérieur de la tour ici.
pour pouvoir avoir, comment dire, des entrées, enfin comme si la terrasse vraiment entrait, pénétrait vraiment à l'intérieur du bâtiment. Comme on le voit sur les modèles, je crois que j'aurais dû mettre le modèle sur le même map en fait, mais bon, ça aurait été galère. Comme vous le voyez ici en fait, il y a un creusé directement dans la tour et qui, enfin, qui est semi-couvert sur la terrasse. Enfin, qui est couvert complètement même d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu ça que j'aimerais bien refaire. Mais comme vous le voyez, ça ne prend pas toute la largeur du bâtiment. Bien évidemment, parce que sinon il éviterait dans les airs, ça serait bizarre hein, quand même. Donc du coup, comme on voit qu'il n'y a qu'une seule partie qui est coupée, et que du coup ici, on a une partie là qui est surélevée par rapport au reste du bâtiment. Je pense que c'est cette partie-là qu'on va pouvoir renier, tout simplement. Hop, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Histoire d'être bien. Pouf. Voilà. Alors, histoire 2. Ah, je peux pas remonter, voilà. J'ai remarqué aussi dans les enregistrements qu'on entend ma chaise grincer des fois. Je sais que... Enfin, moi, ça m'embête. Donc, du coup, je vais essayer de faire attention. Oui, alors du coup, au niveau de l'inspiration, c'est vrai que j'avais oublié ce thème-là. Donc voilà, donc il y a prendre de l'inspiration sur les trucs de Minecraft ou sur les trucs qui existent déjà. Ça donc du coup j'en ai parlé. Mais aussi d'autres trucs, notamment un truc que j'ai trouvé. Oula, attendez, 3, 4, 5, voilà. Ok. Qui est de... Alors, qu'est-ce que j'allais raconter? Qui est de faire des modèles, justement, des modèles réduits, hein, comme je vous ai montré là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Ah, petit souci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a un petit souci dans ma... Dans mon building. Ils sont pas équivalents de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Ah si, les 3, 4 ici aussi. Comment ça se fait? Ah, ils sont pas exactement de la même taille de chaque côté. D'accord. J'avais pas fait gaffe. Mais dans l'idée, c'est pas dérangeant, forcément. Enfin, attendez. Qu'est-ce qui est le mieux? Pas dérangeant, hein, honnêtement. Bon, bah je vais essayer comme ça. Et bon, bah tant pis, je vais essayer comme ça. Il n'y a pas de problème particulier finalement. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai rien calculé du tout. Ça, c'est vraiment inhabituel pour moi, hein, pour la taille du building et tout. Alors, je rappelle aussi parce qu'il y en a beaucoup lors de la de séries de Let's Build qui confondent les Let's Build et les tutoriels. Ceci n'est pas un tutoriel, je ne vous montre pas comment et je ne vous explique pas comment faire cette construction là. On doit entendre ma chaise grincer encore, j'imagine. Mais on essaye des choses. Voilà, c'est une série qui est faite pour essayer des choses. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de me lancer des défis de construction, des petits défis, hein, parce que si c'est pour faire un autre énorme building qui prendrait 5 épisodes aussi, c'est pas l'idée. Mais si vous avez des petits défis, par exemple, que je pourrais réaliser sur un épisode, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Limite, on va faire une série à part avec ce concept. Je sais pas, il y a de l'idée. C'était l'un d'entre vous qui m'avait dit ça. Dans les commentaires, enfin dans une question pour la FAQ, je sais plus qui exactement, mais c'est vrai que c'était une bonne idée. Alors peut-être que vous regardez cet épisode-là longtemps après que la FAQ soit passée, ce qui est possible. Donc du coup, ceci ne doit pas être du tout synchronisé par rapport aux actualités de la chaîne. D'accord, c'était pas du tout ce que je voulais faire.
Voilà, donc il y a deux blocs de largeur, mais ça, c'est pas grave. C'est histoire de se rendre compte. Ok. Bon. Donc là, c'est un peu la forme de la terrasse. Ok. Donc du coup, on va essayer de dégager la forme maintenant de la de l'accueil, hein, de ce qu'il y a au niveau du sol ici, de délimiter l'emprise au sol du bâtiment. Avec le parking, la terrasse à l'arrière et à l'avant. Donc du coup, sur mon modèle, j'avais fait une espèce de d'accueil arrondi en vitre. Donc on va voir ce que ça donne en vrai, hein. On va pas changer les choses. Donc on va partir à peu près du milieu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour en revenir aussi un peu à l'inspiration. Parce que j'essaye de mettre un sujet, mais je pars tellement en live que c'est difficile de le garder. Donc l'inspiration, il y a aussi un truc, donc je rappelle les deux trucs que j'utilise. Moi, c'est regarder ce qui se font. Ce que font les autres sur Minecraft, regarder les trucs qui se font en réalité, dans la réalité. Et puis voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, plutôt, je sais plus compter. Et le troisième truc, c'est de l'inspiration pure, j'ai envie de dire. J'ai envie d'appeler ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que c'est de l'inspiration qui vient, enfin, c'est de la créativité, un système de création qui vient d'absolument nulle part, enfin, qui vient forcément de quelque part, mais qui est le plus basique qui puisse être. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que je suis en train de compter et raconter un truc en même temps, je vous raconte pas la difficulté. C'est-à-dire que j'ai utilisé, par exemple, plusieurs fois des outils, enfin des figures géométriques extrêmement simples, et je m'en suis et j'ai fait les plans d'un bâtiment uniquement avec ces figures là et en fait, eh bien, ces choses là ça a donné les plus gros succès que j'ai eu sur Minecraft, sur ma chaîne, en dehors des bateaux forcément, jusqu'à présent. C'est vraiment une méthode qui, je pense, est la plus intéressante à exploiter, puisque c'est quelque chose qui part complètement sans référence extérieure, en fait, et qui ne part que de figures géométriques. J'ai beaucoup de projets qui arrivent en ce moment, projets de vidéo, et je sais pas si j'aurai le temps de tout faire du coup. Bon, on verra bien. On verra. Ah oui, alors du coup, je précise aussi, j'ai enlevé les shaders parce que c'est vachement moins pratique pour builder. Voilà. Donc je les garderai, je pense, en début de vidéo pour faire les intros, voilà, histoire d'avoir une petite début de vidéo un peu classe. Mais je pense que c'est à peu près tout. Je vais rogner un peu les coins histoire de donner un effet un peu plus arrondi peut-être au truc. Ah oui, alors évitez de me demander de c'est quoi mon pack de textures aussi, il y en a plein qui me demandent ça encore. Auquel je réponds jamais, évidemment. Mon pack de textures est téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc voilà. Alors l'idée, maintenant, pour en venir un peu à la vidéo, à la construction. L'idée de ce truc-là, ça va être de l'affiner maintenant, d'affiner la forme pour avoir... ou pour rajouter des choses et tout. Et je pense que ce truc-là va complètement virer, parce que je viens de penser à un truc, en fait. C'était... d'avoir de la charpente apparente. Et je pense que je vais virer ce truc là, je vais avoir une autre forme de... Je vais mettre autre chose à la place. Ou peut-être je vais le garder, je ne sais pas encore. Je vais faire peut-être de la charpente à l'intérieur, une charpente métallique. Peut-être dans le prolongement de l'ascenseur, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que si l'entrée est pile poil en face de l'ascenseur, à la limite, ça pourrait même être une bonne idée. Ah si, peut-être.
Pour tout ce qui est circulation à l'intérieur du bâtiment, ça peut être carrément efficace en fait, je viens de penser. Parce que du coup, ouais, là, ça serait vraiment l'ascenseur, il risque d'être pris, mais genre tout le temps, quoi, ça va être violent. Je ne sais pas. Je sais pas du tout combien d'étages va y avoir, même dans cette construction. Pas la moindre idée. Je vous avoue, pour l'aménagement, je sais même pas ce qu'on va faire encore. Je ne sais pas. J'y vais complètement au feeling. Parce que j'aime bien. Parce que je peux. Voilà. Y a pas de soucis. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cet espace et comment je vais régler le petit souci de la charpente. La charpente métallique. Donc, je vais prendre des blocs de d'iron. Je sais plus comment ils sont sur mon nouveau pack de textures. Iron ore. Ils sont pas du tout changés par rapport à avant. Donc, bah, au pire, tant mieux. D'accord. Donc, ici, c'est comme ça. Alors, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas. J'avais l'intention, ou j'ai toujours l'intention d'ailleurs de voir, enfin de faire une vidéo d'analyse sur la structure et l'architecture de l'hôtel Burj Al Arab. Parce qu'il y en a un qui a fait une bonne reproduction sur Paint Minecraft. Et comme j'avais vu un documentaire justement sur ce bâtiment, sur comment il avait été fait en fait. Eh bien je pense que ça peut être intéressant d'en avoir une analyse un peu plus poussée que d'habitude. Sur Minecraft, donc ici on est à ce niveau là, pouf, ça peut être cool. Voilà, ok, donc là c'est ces structures métalliques, ça fait bizarre. Il faudrait avoir une cohérence dans les structures métalliques. Parce que là, c'est vrai que sinon, ça fait bizarre. Faudrait que je m'inspire de Visual Play, du coup. J'essaie de faire des poutres. On va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas du tout. Encore, là. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est le... Comment ça s'appelle? La série pour faire des tests. Hein. Y a rien d'autre. Voyons ce que ça donne de l'extérieur. Et je crois de souvenir que... Oh, bah ça donne pas si mal que ça, finalement. Ah, oh, moi qui pensais que ça allait être vraiment, vraiment limite. Je suis agréablement surpris. Bon, alors du coup, au niveau des poutres, ça fait plus que 3 blocs de hauteur. Donc ça fait vraiment bizarre dans un hall d'accueil d'immeubles, surtout comme celui-là. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Je pense qu'on va utiliser autre chose. Si je me rappelle bien Visual Play, lui, il utilise des fence gates ou des barrières. Donc on va utiliser ça, on va voir ce que ça va donner. Évidemment, ça passe pas. Ah, du coup, ouais, ici, il faut que je suis embêté. Je pense que je vais utiliser les barrières pour voir ce que ça donne. Pour pouvoir avoir un truc moins massif au-dessus de la tête quand on est dans l'entrée du bâtiment. Ah merde, j'ai toujours gardé ce machin. Pouf. Ah oui, alors moi je rentre pas à l'intérieur pour enlever le truc de manière pépère. Non, non, moi je défonce le toit direct, hein, y a pas de souci. Limite faire des espèces de volets qui s'ouvrent sur le toit, enfin je sais pas, sur le toit de l'accueil ici. Hop, alors l'idée, ça va être de transformer les blocs de fer en fence gate, enfin en fence du Nether. Dont je ne connais pas l'idée par cœur, évidemment. Dark Oak Fence. Ou
113, ok. Donc replace, c'est quoi le bloc de machin? 42. Donc on fait replace 42 par 113. C'est beaucoup plus discret, c'est sûr. Ça fait toujours un truc vachement bas, hein, pour un immeuble de cette taille. Le plafond est vachement bas, je trouve. Va falloir élever un petit peu tout ça. Sans déformer le bâtiment, ça serait plus sympa. Ah oui, alors du coup, slash move, hein, c'est plus simple. Admettons, on élève le truc à ce niveau-là. Est-ce que ça fait quelque chose par rapport au bâtiment? Est-ce que ça fait trop, pas assez? Ça fait... Pourquoi pas? On peut tester. Je crois que la vidéo est beaucoup trop longue. Quelque chose me dit ça. Alors, attendez, je... Ouais, ok, 38 minutes d'enregistrement que je cutterai sûrement... Enfin, je cutterai sûrement quelques parties au montage. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, la prochaine fois... On a toujours, donc, du coup, le truc au sol, hein, l'emprise au sol du bâtiment à faire, à l'avant et à l'arrière. Donc, il y a du taf encore. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici, en pleine construction. Bon, tant pis. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Que je tournerai la semaine prochaine, du coup, parce que celui-là c'est le deuxième que je tourne cette semaine, comme j'en tourne deux par semaine. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, probablement que j'aurai un peu avancé dans la construction du truc, enfin, du moins de ce machin là. Je vais peut-être finir ça en hors caméra et je vous expliquerai comment j'ai fait, parce que là je me dépatouille. J'ai du mal, un peu me dépatouiller. Je crois que je vais carrément tout raser, faire un dôme ou je sais pas quoi. Je vais me débrouiller, bref. Voilà. On va finir avec des shaders quand même. Ah oui, évidemment, ça bug quand je suis de face, comme ça, bon, tant pis. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.